Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, on est très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce match ô combien important là, pour les deux équipes qui luttent contre la relégation. Collet Bossy qui connaît un moment très très difficile avec des échecs et qui doit se reprendre aujourd'hui dans ce match, aujourd'hui face à une équipe de Monté qui a également besoin de points pour sauver cette situation délicate de danger de relégation. Le décor est planté hein, de ce match. Les trois points sont capitaux pour l'une ou l'autre des équipes. Et c'est Monté qui va pouvoir partir à l'offensive, chercher du soutien devant. C'est bien joué ce ballon mis sur Gonçalves. Gonçalves à la lutte avec la défense colésienne là. Et c'est cette dernière hein, qui aura le dernier mot avec un ballon sorti en touche. Avec Aron, bel effort pour récupérer ce ballon, chercher du soutien. Ils vont trouver devant avec Mapuata. Mapuata qui va affronter la défense dont Bellabas. Mapuata centre au deuxième poteau avec une reprise de volée. Waouh, ce ballon qui passe de peu à côté. Alors très très belle possibilité là pour Gonçalves de Pigna. Et ce ballon vraiment qui vient flirter avec le montant droit du but défendu par David Fontaine. Jérémy Fogel à la remise en jeu pour sa formation. Qui a glissé ce ballon à côté de lui. On va revenir derrière. Décalage de Limani. C'est bien fait avec une frappe appuyée. Oh, superbe l'arrêt sur le tir de l'anglais. Alors très très jolie parade du portier David Fontaine qui évite à son équipe l'ouverture de la marque. Jolie petite claquette hein, par-dessus la transversale et le coup de coin à suivre pour les Veuvezans avec Johan Langlais hein, qui va chercher sans doute un des grands gabarits hein, de ses joueurs devant. Position d'attaquant, hein. Finalement c'est un ballon à terre. Hein. C'était bien essayé avec une tentative de reprise de la tête de Gonçalves. Et ce ballon qui sort une nouvelle fois en coup de coin pour les Montezans alors qu'on joue depuis 5 minutes. Une nouvelle fois Johan Langlais qui va mettre cette fois ce ballon dans l'axe du terrain. C'est dégagé par la défense colésienne avec une reprise de volée complètement manquée. Qui va tâcher d'exploiter hein. Ce ballon. Il n'y a pas eu d'occasion depuis le début du match pour Collet Bossy. Avec ce ballon mis au deuxième poteau. Alors il est mal tiré ce coup franc. Il y avait Sanchez mais c'est beaucoup trop sur le gardien. Attention avec un dégagement rapide. Récupération de ce ballon avec Gonçalves qui peut frapper et qui manque sa frappe. Alors joli dégagement également du portier Arthur Chazel. Et un ballon que n'a pas exploité Gonçalves de Pigna qui était le joueur le plus en vue hein, depuis le début de cette partie. Ils ont au contrôle de ce ballon qui va venir devant. Elle a déviation, c'est bien joué. Il y avait une faute, on laisse jouer de Oliveira. Le décalage, Kerouédan qui va revenir dans l'axe du terrain et l'intervention du portier. Il aurait peut-être pu mettre un carton sur cette action parce que effectivement le tacle était appuyé. Et finalement, eh bien, l'arbitre de ce match, je ne sais pas si on vous l'a donné encore, c'est M. Sini Kropi qui est assisté de M. Taveras et Azanaï. Eh bien, laisser jouer, justement, hein, laisser l'avantage. Mais dans la foulée, il est en train de remettre à l'ordre le joueur de Monté. Il aurait effectivement pu sortir son carton jaune. M. Sini Kropi qui va jouer une balle d'arbitre. Et Ayeté, ouais, sportivement, qui va restituer le ballon au joueur montaisan. Et les hommes de l'entraîneur Olivier Kurdi là, qui vont pouvoir repartir à l'offensive qui ont été plus dangereux hein, dans ces 21 premières minutes qui se sont créées les meilleures occasions sans toutefois trouver la voie royale. Lone qui va perdre l'avantage sur ce ballon, ça va repartir rapidement avec le démarche de Caron, on l'a vu partir, c'est bien joué Caron, il a du champ, il va affronter une nouvelle fois la défense colésienne. Caron avec un centre mis au deuxième poteau. Ouh, alors là bah moi je suis mitigé sur cette action parce qu'effectivement il me semble que Gonçalves se fait pousser dans le dos, qu'il est en bonne position pour reprendre ce ballon de la tête. L'arbitre lui a laissé jouer. On aurait effectivement pu siffler penalty sur cette action avec le contrôle du ballon par Mapuata, perdu, récupéré par les joueurs de Pierre-Yves Liniguer, de Oliveira qui va glisser ce ballon devant lui avec cette relance de Carasso. Loneux, longue transversale, c'est bien joué ce ballon sur Hélin. Hélin qui contrôle, Hélin, il va obtenir la remise en jeu de Oliveira ou le droit d'Hélin. Les deux joueurs prêts pour ce coup franc d'Oliveira qui passe par-dessus le ballon. Hélin qui frappe, ouais, qui tire à côté. Ballon pas cadré une nouvelle fois et ça va permettre au portier Arthur Chazel de se dégager. Début de cette seconde mi-temps, le score 0-0 pour le moment, on l'a dit, Monté qui a dominé
qui s'est créé les meilleures occasions, notamment par son attaquant Gonçalves, qui est en fait un milieu de terrain, mais à vocation très offensive. Et puis il y a eu ce tir, un superbe tir de Johan Langlais, l'ancien Vevezan, là, qui a trouvé le dessous de la transversale. C'était bien évidemment sans compter avec l'excellente parade de David Fontaine. Mis à part cela, du côté de Colébossier, on doit trouver des solutions. Hein, parce que pour le moment, c'est assez pauvre dans la phase offensive. Même si encore une fois, il faut reconnaître que défensivement, eh bien, les hommes de Pierre-Yves Liniger sont très solides. Devant notamment le colossal Matouka qui est monté pour ce coup de coin. Ballon mis au deuxième poteau. Il sera quand même trop court pour récupérer cette balle qui ne va pas sortir. Elle est récupérée avec un nouveau centre. Ballon contrôlé par le portier Fontaine sur ce centre d'Abadia. Et puis un dégagement rapide. Va chercher Ayeté devant. On va le trouver. C'est bien joué avec ce ballon mis sur Elin. Elin, ouais, un centre d'Elin dégagé par la défense. Récupération de Lonneux avec une frappe alors complètement manquée du capitaine qui n'inquiétera pas le portier Arthur Chazel. Ce ballon aérien qui va passer finalement. Tentative de récupération d'Aslan. Remis sur le côté. Attention, passe à précise. Ayeté au contrôle. Ayeté peut s'avancer. Il a deux hommes face à lui. Ayeté avec un centre en retrait. C'est récupéré avec une frappe appuyée complètement manquée de Kerouédan. Ballon contrôlé par les Colésiens. Elin qui revient derrière lui. Lonneux, ballon de l'extérieur. C'est bien joué sur Ayeté dans les 16 mètres. Il a deux joueurs face à lui. Il les passe. Il marque. Superbe. En très très jolie réussite d'Ayeté. Que dire de cette passe lumineuse de Lonneux qui trouve l'attaquant aux avant-postes. Et puis alors Ayeté qui se joue de la défense et qui frappe sous la transversale pour l'ouverture de la marque dans ce match sur une des premières occasions de Colébossier. Eh bien les hommes de Pierre-Yves Liniger qui prennent l'avantage. Cette nouvelle balle mise en avant, récupérée par De Oliveira qui peut s'avancer. De Oliveira ouverture de l'autre côté. Elin, ouais, tout seul, c'est très très bien joué. Et là, avec un petit ballon piqué, récupération du portier devant De Oliveira. Belle anticipation là, de la part du portier Arthur Chazel. Abadia qui va revenir à côté de lui. Abadia servi par son coéquipier. Attention, relance imprécise. Ballon récupéré par les Colésiens avec un ballon mis en avant. Et là, avec la sortie du portier. Ah, très bonne sortie. Alors, il a joué les libéraux là. Le dernier rempart qui manque son dégagement. De Oliveira qui tente le lob. Ce ballon qui va peut-être rentrer. Ah non, finalement, ça passe par-dessus. Alors, très bonne sortie au départ du portier qui a mal relancé. Et De Oliveira qui n'en profite pas hein, pour mettre son équipe à l'abri provisoire d'un retour de Montaigne. On l'a dit, les Montaisans qui se sont créés dans cette rencontre de très très belles occasions. Peut-être mal payés quand même également hein, parce qu'ils ont eu de belles possibilités. Mais encore une fois, il faut concrétiser. Et c'est le réalisme qui fait la différence. Insolent réalisme de Colébossier. Une occasion, un but avec ce ballon mis dans l'axe du terrain et qui sera dégagé par la défense. El Tayar qui a remplacé Belabas. Bien évidemment pour Belabas, on espère que ce n'est pas trop grave. Hein. Il semblait souffrir du genou. Il a été accompagné par ses coéquipiers hors du terrain. Ça sera un gros coup dur malgré tout, même si on connaît les qualités d'El Tayar que la blessure de Benamar Belabas. Encore une fois, exploiter ses balles arrêtées. Hein, avec un ballon, on va chercher à le mettre peut-être au deuxième poteau. Non, ça sera au premier finalement. Avec la bonne prise de balle de David Fontaine, qui était décisif en première mi-temps. Notamment sur ce tir, on en a parlé, hein, de l'anglais. Ça peut changer la physionomie du match si ce ballon rentre. En finalité, eh bien, c'est Colébossier qui mène au score 1-0, le drapeau de l'arbitre assistant de M. Sini Kropi qui s'est levé, le drapeau de M. Sead Azanaï sanctionnant une position de Abadia. La remise en jeu pour les Rouges, mené au score 1-0. Ballon qui revient sur Abadia. Abadia mis sous pression par Kerouédan qui va récupérer le ballon, c'est bien joué. Kerouédan, service pour Ayeté. Ayeté qui marque. Ouais, 2-0, grosse erreur de la part d'Abadia sur cette action qui aurait dû peut-être, c'est facile à dire quand on est en position de commentateur, mais lâcher ce ballon. Kerouédan en a profité, gros travail sur cette phase de jeu du milieu de terrain et ce service alors pour Ayeté. Il aurait pu frapper Kerouédan, on est sans doute en train d'en parler. Finalement Ayeté qui peut faire tout d'abord un doublé et puis offrir le 2-0 à son équipe, mettant pour le moment les Colésiens à l'abri alors qu'il reste une moitié de mi-temps à jouer dans ce match. On arrive tout gentiment à la demi-heure de jeu dans ce match. 2-0 pour Colébossier avec un ballon dégagé
par la défense. Récupération d'Azlan avec un contrôle de ce ballon et la frappe. Ouais, c'était bien essayé. Et finalement, ce ballon du capitaine Bailifar qui passe largement à côté de la cage du portier David Fontaine. Alors qu'il reste un quart d'heure à jouer dans ce match. Pour le moment, l'équipe de Collet Bossy sereine grâce à ses deux réussites signées Ayaté Lone, qui va effectuer cette remise en jeu. Il a L1 à côté de lui, ballon mis sur L1, Lone avec ce ballon récupéré par les Motes. Effectivement, elle était assez mal effectuée, hein, cette remise en jeu. L'arbitre a parfaitement évalué la situation. Attention, ballon mal dégagé avec El Tayar pour Ayaté. Un ballon contré par la défense et par l'intermédiaire du grand Matuka, Kenny Matuka, sur le double buteur Ayaté. Ça a donné un bon coup franc là pour les joueurs de Pierre-Yves Liniger. Coup franc pour le pied gauche de Oliveira, l'arbitre qui a sifflé. De Oliveira qui s'élance, ça passe le mur. Belle intervention, anticipation d'Arthur Chazel. On dira que c'était une parade pour la photo sur cette action avec un ballon récupéré par les Montezans qui repartent avec Sabedini, un ballon mis devant. On contrôle Azlan. Et Azlan, il va obtenir la remise en jeu pour son équipe. On essaye d'accélérer hein, le jeu du côté de Montet pour recoller au score Sabedini avec le coup de sifflet de l'arbitre sanctionnant un changement là, à la sortie du double buteur. Ayaté, ah, il était décisif dans ce match pour le moment. Ayaté, petit signe de contentement de l'attaquant, auteur d'un doublé qui permet à Collet Bossy de mener 2-0 dans ce match. Il sera remplacé par Ouattara. Il est frais, hein, il a des chevaux dans le moteur, il vient de faire son entrée. Ouattara qui va passer le capitaine de Montet, c'est bien joué, le centre. Un ballon qui a été contré, Ouattara qui récupère, qui vient sur L1, c'est bien joué. Ouais, avec un tir d'L1, complètement manqué, aucun danger pour le portier Arthur Chazel. C'est Azlan, hein, qui va s'y coller, 38e minute, moment important pour les Montezans. Ballon mis dans l'axe, la sortie du portier, c'est but. Ouais, la réduction du score avec cette tête de Mapuata, alors ça change la donne hein, dans cette partie. Montet qui recolle, qui revient à une unité des Colésiens grâce à ce très joli but à l'anticipation de Mapuata qui a devancé la sortie du portier David Fontaine. Et Mapuata qui peut relancer les Montezans dans la partie. Chevalier mis sous pression dans ce match alors qu'il reste 5 minutes à jouer. Attention à ce corner avec un ballon mis au deuxième poteau. Ouais, c'est sorti par l'intermédiaire du portier David Fontaine. De Oliveira qui peut relancer, dégager. Duel qui s'intensifie là pour l'obtention du ballon avec cette remise, ce ballon en chandelle avec un contre. Finalement, eh bien, il sera favorable aux joueurs de Montec, deux joueurs de Collet Bossy qui restent au sol. Ouais, il va falloir sortir ce ballon. Interception du cuir par Arthur Chazel, Elonneux qui va mettre en touche. Alors fort justement pour permettre aux joueurs colésiens d'être soignés. Ah, des crampes apparemment, un début de crampe là pour le joueur de Collet Bossy. Alors que ça s'explique quelque peu là, notamment Johan Langlais explique qu'il fallait sortir ce ballon. C'est vrai qu'on était dans le feu de l'action. Avec cette blessure, tout va rentrer dans l'ordre. Pierre-Yves Liniger et son équipe qui mènent au score 2-1 avec ce cuir récupéré par Mobulo. Alors on ne le rend pas aux Colésiens, ça c'est assez incroyable. C'est Lonneux qui avait sorti cette balle et Montet choisit de conserver le ballon avec la sortie du portier devant Ouattara. Quel anti-jeu là, de la part des Montezans qui se devait de restituer le ballon. Même si on mène 2-1, effectivement, il y a vraiment un esprit qui a tendance à vraiment changer sur les terrains de football. Et c'est dommage parce que c'était un match très correct jusqu'ici. Et ce genre de comportement peut pourrir la rencontre avec l'arrivée de Ouattara qui va affronter Bailifar. Il va le passer, c'est bien joué Ouattara, le tir. Superbe sauvetage d'Arthur Chazel qui peut détourner cet envoi de l'attaquant colésien. Attention, attention, parce qu'on est dans les 50 dernières secondes de la partie. L'Anglais qui peut s'élancer, une frappe appuyée. Superbe. Le sauvetage de David Fontaine, encore une fois, qui sauve son équipe. Quelle frappe! Quelle frappe du défenseur Johan Langlais. Et quelle parade du portier. Attention, coup de coin. Et Emine Aslan qui va le tirer. Ouais, il prend un carton jaune. David Fontaine pour réclamation. Il est vrai qu'on a été un peu sous tension après l'histoire du ballon non restitué. Et comme on a dit, ça pourrit un peu l'ambiance. Et du coup, on est un peu plus irritable. Attention à ce ballon d'Emine
Aslan, 44e minute, on est dans la 45e, il reste 15 secondes à jouer dans le temps réglementaire. Il va falloir s'appliquer sur ce coup de coin, aller chercher cette égalisation du côté de Montaigne qui ferait tant de bien au niveau des points là. Marqué au minimum un point dans ce duel aujourd'hui, ce match de la peur. Ballon mis au premier poteau, ouais, une déviation. C'était très très bien joué là avec cette frappe de la tête et finalement ce cuir qui passe par-dessus la cage du portier Fontaine. On est dans la 51e minute de cette seconde mi-temps avec ce ballon récupéré par Moboulou qui peut mettre devant lui avec une déviation. Attention, c'est bien joué avec ce ballon qui va finalement sortir. Va récupérer par Pélo, l'arbitre qui met un terme à la partie. Victoire ô combien importante de Kolebosi aussi qui s'impose du côté de Montaigne sur la marque de 2-1. Ça n'a pas été de tout repos. Hein. Très belle équipe de Montaigne qui aura manqué de réalisme, notamment en première mi-temps. Victoire finale de Kolebosi, on l'a dit, qui fait un grand bien au niveau du classement. Avant de nous quitter, on va voir quelques réactions. Et puis, prochain match pour les deux équipes. Ça sera Servette à la maison pour Kolebosi, alors que l'équipe de Montaigne se rendra pour un nouveau match de la peur du côté de Plan-les-Ouates à Genève. À chaque fois d'un but, à chaque fois, voilà, la réussite n'est pas de notre côté. Ça penche toujours du côté de l'adversaire. C'est l'eau des équipes qui sont au fond de classement, ma foi, c'est comme ça, il faut faire avec, c'est nous qui nous en sortirons, il ne faut pas attendre de cadeaux de nulle part et il ne faut rien lâcher. Je veux dire, bien sûr que là on est déçus, je pense que c'est une équipe qui vient deux fois chez nous, il y a deux buts, la deuxième on l'offre. C'est une erreur individuelle, ça a été souvent le cas depuis le début du deuxième tour. C'est comme ça, c'est très compliqué pour nous, c'est vrai, on est un peu dans le dur mentalement maintenant. Ben, on a un petit peu du mal à se lâcher avec le ballon, on est un petit peu, voilà, c'est le lot des équipes qui sont au fond. Maintenant, il ne faut pas lâcher, il reste 9 matchs, 27 points en jeu, je veux dire, on est quand même pas largué non plus, même si maintenant il va falloir vraiment casser cette spirale, parce qu'on ne peut pas attendre les derniers matchs pour se dire qu'il faut tout gagner absolument, il faut absolument qu'on réagisse, voilà, mais bien sûr, c'est frustrant parce que ça fait 4 matchs que c'est comme ça, 4 fois on perd d'un but, 4 fois le match peut tourner pour nous, et non, il ne tourne pas pour nous, il tourne pour l'adversaire. C'est comme ça, il faut mentalement être fort, continuer à travailler et faire tourner la baraka pour nous. Hein. Je suis très heureux, j'ai réussi à marquer le premier but avec un peu de réussite. On voit, je contrôle la balle, elle est parfaitement dans mon sens. Je mets une balle assez forte, premier au poteau. Voilà. Après, c'est pour le bien de l'équipe aussi, donc c'est cool. Ouais. David, il fait un grand arrêt. C'est vrai que là, si elle rentre, peut-être le match ne tourne pas dans le même avantage. Mais il nous a bien aidé sur ce coup et puis c'est comme ça qu'on a réussi à faire la différence. On a réussi à tenir encore, première mi-temps, deuxième mi-temps et puis après les buts sont venus. Nous, il nous fallait absolument les 3 points, donc mais on n'avait pas encore trop de pression, juste il fallait qu'on assure ces 3 points, qu'on joue bien. Et en face, je pense qu'ils s'attendaient à nous voir avoir du bon jeu aussi, à ce qu'on joue bien. Et donc ils ont donné le meilleur d'eux et puis normal que ça donne cette impression de crispation. Mais après, sinon, dans l'ensemble, le jeu s'est bien déroulé, donc c'était cool, c'était franchement sympa. Qu'est-ce qu'a dit le Pierre-Yves Niguer à la mi-temps, justement, pour que vous passiez l'épaule? Ce qu'il a dit, le coach, être serein, combatif, parce que c'est vrai qu'en première mi-temps, on n'avait pas beaucoup de duels. Donc du coup, en tout cas, ça s'est remarqué beaucoup sur le banc. Et donc voilà, un peu plus agressif sur le deuxième ballon, et la poser par terre, passer par le milieu, jouer au foot, quoi. C'était... Et quelques conseils, quoi. Et après 235 minutes sans marquer au deuxième tour, incroyable. Ouais, j'avoue, ça fait du bien. Ça fait un moment que j'avais pas marqué, là. Et on a commencé à me charrier un peu dans les vestiaires. Et puis là, il fallait que je montre un peu l'épreuve. Et puis c'est vrai que le coach m'a fait confiance. J'ai pu jouer pas mal, enfin, presque tous les matchs, presque en entier. Et puis là, c'était le temps de faire l'épreuve. Et je suis content d'avoir marqué ces deux buts pour pouvoir montrer à l'équipe que je suis présent, et ils peuvent compter sur moi. Et c'est cool. Prochain match contre les Servettes de Montaigne. Quel que soit le résultat, vous pouvez les dépasser d'un point ou rester à 2 points d'écart. C'est un adversaire direct, il faut enchaîner maintenant. Ouais. C'est vrai, Servette, ça va être peut-être un peu plus difficile. on va devoir enchaîner avec les victoires, on n'a pas le choix si on veut remonter le classement. Et franchement, ça nous ferait du bien parce qu'on a une bonne équipe et on fait du bon jeu. Après,
Des fois, peut-être sur le terrain, ça se ressent pas, mais on fait tout à chaque fois en sorte de s'améliorer, en tout cas, aux entraînements et en match. Et donc, ça devrait passer contre Servette, je pense.